Bienvenue sur la chaîne Julian Gaming. Aujourd'hui, je se trouve pour une nouvelle vidéo donc sur Clash of Zombies, il me semble. Très bien. Je me rappelle plus du truc du jeu, donc c'est bien, c'est même plus rapide ça. Battle of Zombies. Ça y est, ça me revient, ça me revient. Allez, c'est parti, on joue tout de suite à ce jeu. Donc on a commencé et donc c'est un petit peu particulier. C'est un peu du même style Clash Royale. Sauf que Clash of Clans, pardon, pourquoi Clash Royale, je sais pas. Et sauf que là, on a donc pour produire de l'électricité, donc une éolienne, voilà. Et là, on a des toxines qui va nous servir à faire des troupes, hein, comme du style Clash of Clans, Clash, oui, Clash of Clans. J'ai peur de me tromper à chaque fois. On a un bel avion. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, pas grand chose à part ça, à vous dire. Une ville déserte. Là, on a un obélisque qui va servir comme au camp d'entraînement sur Clash of Clans. Là, on a la salle de clan, donc c'est pour les clans, hein, comme vous en doutez bien. On a donc là le chat, on va dire, chat de clan, chat et tout. On a donc là ce qu'on est en train de faire, hein, donc récompense, tâche, ce qu'il y a à faire. Qu'est-ce qu'on a là? Taz toxine, construire un entrepôt à toxine. Ah non, on va attendre un petit peu. Donc les attaques. Ah, faut, pour créer des troupes, il faut déjà faire aller là. Donc voilà les toxines qui va permettre aux troupes de se former. Voilà, donc regardez, on va tout de suite aller attaquer. Et vous allez voir dans un premier temps que si on attaque, en fait, on va voir. Voilà, donc on va arriver sur ce truc. Donc ça, c'est en campagne, mais il y a aussi en multijoueur. Là, donc je déplace mes troupes comme ça. Et ça ramène. Voilà, ça nous ramène voilà, ça nous ramène, voilà, du coup, comme sur Clash Royale, exactement pareil, sauf que c'est pas le même style. Là, c'est des zombies, alors que sur Clash Royale, bah, c'est des géants, c'est des. Sur Clash of Clans, pardon, c'est des géants, c'est des trucs comme ça. C'est pas pareil du tout, pas pareil du tout, du tout, du tout. Voilà, on va peut-être faire un 100%. Voilà. Et là, il n'y a pas de temps. Il me semble pas avoir vu un temps. Ah si, fin du combat dans 2 minutes. Donc ça va, il y a assez de temps. C'est. Il y a beaucoup de temps quand même pour attaquer. Voilà. Et on a gagné. Voilà, fantastique. Voilà. Nothing. Voilà, on va redemander des troupes. Du coup, pour pouvoir. Hop, voilà, 20 sur 20. Parce que la capacité est de 20 sur 20. Et donc là, on a le magasin. Et il faut qu'on construise donc production. On a une éolienne et une deuxième tour. Reconstruire une éolienne serait pas mal. On va la construire là. Et du coup, l'éolienne, on va la mettre à côté de l'autre éolienne, finalement. Ça sera bien mieux. Voilà. Et toi, du coup, tu vas te mettre là. Voilà. Donc, l'éolienne qui produiront de l'énergie, c'est ça. Voilà. C'est le truc en bleu. Voilà. Allez. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, donc peut-être pour ce jeu, pour voir l'évolution, peut-être un petit peu, mais et après il y aura des Final Fantasy 5, peut-être. C'est le 5 ou le 4, ça dépend, ça dépend. On verra. Allez, je vous rappelle, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, donc aussi sur Minecraft Pocket. Et donc il n'y aura pas de vidéo demain, car j'ai cours. Normalement je devais pas avoir cours, c'est pour ça que j'avais prévu une vidéo. Sauf qu'il y aura une vidéo de pas de vidéo demain. Car j'ai
j'ai cours finalement, ça a été annulé. Allez, j'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez liker, lâcher un like et surtout vous abonner à la chaîne, ce qui nous fera grand plaisir pour essayer d'atteindre les 300 abonnés. Allez, ciao, bye bye.